Shalom, shalom, béni de Dieu, paix et joie, enfant de Dieu. Nous bénissons le Dieu créateur qui nous a rassemblés en ce matin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu soit loué pour le don gratuit de la vie. Que Dieu soit loué pour la santé, l'être et le mouvement. Que Dieu soit loué pour sa grâce qui est constamment sur nous. Sa puissance, sa miséricorde, sa main repose constamment sur nos vies. Que Dieu soit loué pour tout, parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes vient du Père. Et notre Papa ne cesse de nous parler. Chaque jour, il nous parle. En ce matin, il nous révèle dans la parole. Après que Jésus eut vécu cette transfiguration, la parole déclare que survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Bien-aimé de Dieu, voici la recommandation du Père en ce matin. Cette parole de vie, il nous dit que Jésus est son Fils bien-aimé et il nous demande de l'écouter. Le Père nous révèle que Jésus-Christ, son bien-aimé, a les paroles de la vie. Et si nous écoutons Jésus, nous aurons cette vie. Alors bien-aimé, peuple de Dieu, en ce matin, ouvrons nos cœurs pour écouter cette voix qui résonne, cette voix qui te dit, qu'importe ce que tu peux vivre, la parole de vie peut transformer des situations. Alors écoute le bien-aimé Jésus. Le Père te demande d'écouter son Fils. Si tu veux vivre une vie de paix, une vie de joie, une vie de délivrance, une vie de miracle, écoute la voix du bon berger. Shammai Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Era. Shammai Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Era. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute peuple de Dieu, le Seigneur, il est notre Dieu. Il nous parle en ce matin. Écoute, peuple de Dieu, le Seigneur, ton Dieu. Le Seigneur a parlé. Écoute Israël, le Seigneur, ton Dieu, en ce matin le Seigneur a parlé. Écoute Israël, écoute peuple de Dieu, le Seigneur te parle en ce matin. Et il te donne une recommandation très forte, écoute le bien-aimé. Lui seul a les paroles de la vie. Lui seul a les paroles qui réconfortent. Lui seul a les paroles qui sauvent. Lui seul a les paroles qui redonnent espoir. Lui seul a les paroles de la vie éternelle. Fais taire toutes les autres voix et écoute la voix du bien-aimé, la voix de Jésus qui te dit, « Mon enfant, je t'aime,
Suis-moi, écoute ma voix et tu vivras. Elle est la bonne. Le monde nous parle toujours. D'autres voix s'élèvent dans notre vie. Mais la seule et unique voix à laquelle nous devons prêter attention est la voix de Jésus, qui retentit par la puissance du Saint-Esprit qui vit en toi. Cette voix te parle. Écoute et tu entendras. Le Seigneur a parlé. Écoute, peuple de Dieu, le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur a parlé. Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur a parlé. Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur a parlé. Écoute-le et tu vivras. Demeure dans cette écoute tout au long de cette journée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.